Salut tout le monde, bonsoir Vince, c'est dans la maison. J'espère que tu vas bien, c'est vendredi, c'est le week-end, yeah. Et surtout c'est la fête des amoureux. Ouais. Est-ce que tu es amoureux? Ne me posez plus de questions. Excellent, excellent. Hey, je suis en train d'enlever des gouttes que j'ai mis dans mes yeux, moi. Oui. Non, je n'étais pas en train de chialer, faut pas croire. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coucou à ceux qui nous regardent actuellement sur YouTube, sur Twitch. Soyez bienvenus les amis, commentez. Dites-moi d'où est-ce que vous venez, si t'es nouveau, tu viens d'arriver sur Tarmac. Chaîne recommandée, tu vois le genre de bail. Eh ben, tu t'abonnes à la chaîne. Et puis n'hésite pas aussi, à ceux qui nous écoutent en radio DAB+, à nous envoyer des petits messages sur le WhatsApp. Le +32 493 99 3 fois 09. Oui, parce qu'en fait la vidéo, on fait de la radio, on fait tout à la fois. Et c'est ça qui est cool. Tous les soirs de 20h jusqu'à 21h, on fait du direct. Et aujourd'hui, ouais, gros sujet les amis, on va se faire un petit jus du cul tout à l'heure. On aura l'athlète du jour. On va avoir le plaisir d'avoir un rappeur bruxellois avec nous en direct, par téléphone, en visioconférence, s'il vous plaît, c'est le turfu. J.A.N. qui sera avec nous. Et puis tout à l'heure, on aura le plaisir d'accueillir Fanny. Alors qui est Fanny? C'est la jeune demoiselle qui a été victime, on peut dire d'un gars qui est complètement taré dans sa tête, hein, victime d'un ex-compagnon qui l'a harcelé pendant très longtemps, pendant des mois. Elle a été portée plainte à la police, ça met du temps avant que la police réagisse et malheureusement elle n'a pas réagi à temps puisqu'elle s'est fait poignarder dans le dos pendant qu'elle était dans le train. Alors on a l'occasion d'essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de cette histoire, et en sachant qu'il est important d'en parler parce qu'il y a énormément de femmes malheureusement qui vivent parfois, qui quittent quelqu'un qui n'est pas spécialement droit dans ses bottes et qui commence à faire du harcèlement qui peut aller trop loin, et c'est notamment le cas de Fanny. Donc on lui donne toute notre force, elle va être en connexion avec nous pour nous raconter son histoire, ce sera juste après. Et qui est connecté ce soir? Il y a Antares, bonne Saint-Valentin à la team Tarmac. Merci, merci Antares, c'est gentil. Coucou à Pampers du Bercail, le seul unique. Walara, coupe de cheveux à 100% validé par moi. Mais comment il voit? Mais parce qu'on a directement mis ta petite coupe de cheveux. Harley Quinn. Oui, c'est ça. Bonsoir Harley Quinn, comment bonsoir, ça va? Bonsoir, mon nom c'est Harley Quinn, toi-même tu sais. Mmh. Mon nom c'est Harley Quinn, toi-même tu sais. Oh yeah, yeah. Et juste en face de Lara, nous avons Nigel qui est là. Yeah. Et juste en face de la caméra, c'est moi. Je suis qu'une top. C'est vrai que ça se tape. Bien ou quoi le peuple? Tranquille. Pardon, si je me suis trompé de bouton. Je peux être une top. Mais pas 15. Ça va la journée, c'est bien passé les gars? Ouais, tranquille. Calme-toi. Ouais, c'est bien passé, ouais. Franchement, tranquille. Bonne journée, hein. Ouais. En vrai. Positif. Vendredi. Et je sais pas si vous le sentez aussi, les jours se rallongent de plus en plus, ça fait du bien. Non, tu vois, franchement, je sens pas ça. Tu sens pas que les jours se rallongent de plus en plus? Je sens pas du tout. Arrête. Je sais pas, tu sens ça toi? Ah ouais, je sens grave une différence. Les jours se rallongent là. Ah, les jours se rallongent depuis le 21 décembre. Hein, bah, l'hiver, c'est au mois de janvier que ça commence à faire des plus de minutes, tu vois, et tout ça. On est au mois de février, là maintenant on le ressent davantage que si on était en janvier. Par contre, là en avril, c'est-à-dire, il va faire clair. Mais toi, t'es sensible à la lumière. Ouais, de ouf. T'as besoin de lumière. J'adore la lumière. Moi je suis... Excuse-moi Bruce, ouais. Un rat. Et j'adore parce qu'il y a peut-être des gens qui vivent près de l'équateur, enfin pas près du pays de l'équateur, mais près de l'équateur, et qui se disent mais de quoi ils parlent, puisque ça ne change pas. Notamment le Sénégal, ça change très très peu. Oui. Le soleil se trouve toujours à 18h, il est couché à 18h, 19h. Du coup, comme ça. Ce qui est très marrant pour les gens qui vivent dans les régions tropicales ou machin, c'est qu'en été, genre il fait méga chaud, en hiver, il fait genre super chaud pour nous, mais là-bas ils sont là, oh non, il fait 19 degrés, il fait froid, ouais, on grave. Sort les pulls, tout ça. Non mais c'est ridicule, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et vos messages par YouTube là qui arrivent, on dit le Sénégal est dans la maison, coucou les amis, coucou la Côte d'Ivoire qui est connectée aussi. J'ai perdu mon Insta, 154 abonnés, t'inquiète pas, je connais quelqu'un qui vient de perdre 10 000 abonnés, c'est très sérieux. Franchement, 154 abonnés gars. 154, il peut récupérer. Tu peux, tu t'appelles tes potes, tu refais un nouveau compte, ça va. Peut-être qu'il n'avait pas de potes. Booba, il galère, enfin, c'est plus lui derrière son compte, mais Booba, il retourne plus aux 4 millions qu'il avait, hein. Il a recréé un compte. Oui. Mais c'est plus lui derrière, c'est quelqu'un qui s'en occupe. C'est pas vrai, et, c'est lui. Et ouais. Mais ouais. C'est écrit, en tout cas, dans la description, que c'est pas lui qui s'en occupe. Ouais, bon. Si ça trouve, ce qui était écrit dans les descriptions des gens, c'était les vrais trucs. Ouais, mais il y a plus de story. Non, mais à la base, ouais, mais de base, c'était pour les stories. Là, il y a plus de story, donc t'as compris que c'est plus trop lui derrière. Ah, maintenant, il met des stories de meufs et tout. Hein. Ah bon? Il chante sur ses sons et tout. Non, t'inquiète, c'est lui. Et il chante sur ses sons et tout. Ouais, des meufs qui chantent sur ses sons. Alors, oh my god, mais Vince, je
l'écoutais il y a 10 ans sur Fun Radio. Noël Fried qui a envoyé le message, qui était là depuis le début. Eh ben franchement, respect Noël Fried d'être là depuis si longtemps, mon pote. Merci. On a des délires alors qu'on se connaît même pas. Mais ouais, bah bien sûr, mais on se connaît. Si tu nous regardes souvent le soir, on se connaît techniquement. Voilà, je vous connais pas. Hein. Alors, bien le bonjour à vous tous. D'Henri Pont qui a envoyé le message, j'ai de la famille en Algérie. On salue Christopher qui vient de nous envoyer le message. Yo Alpha 4 qui est connecté, enfin Alpha. J'ai toujours Alpha 4 moi. Mac est dans la maison, Samia qui est là. Yo depuis l'Algérie, c'est Sofiane qui envoie le message. 112 le boulanger du Togo qui nous regarde. Ça va Vince? Bah ça va très très bien, merci. Merci aux modérateurs qui regardent cette émission. Coucou à la régie ce soir, ils sont juste là. Et salut Alexis. Bonsoir. La patrie. Le jour de gloire c'est vendredi. Je pensais que ça faisait plaisir. C'est vendredi. C'est vrai. Le jour de gloire, ça fait plaisir. Les amis, Alexis, c'est l'homme qui a l'air loin, mais en fait, il n'est pas très très loin de nous, un bon 30 mètres comme ça, ouais. Tranquille. Il faut traverser tout ce que vous voyez juste là, puis après, on arrive à lui. Et Alexis, c'est lui qui répond à vos messages sur WhatsApp. C'est le côté un petit peu radio de cette émission. C'est lui qui fait interagir les personnes aussi par téléphone. Donc, n'hésitez pas. Voici le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de votre écran. C'est le... Mais moi, c'est de quel côté du coup? C'est là. Ah là. C'est le Charlie. Plus 32 493 99 3 x 09. T'as vu, on a essayé de choper un sympathique numéro. Plus 32 493 99 3 x 09. Tu vas comment? Je vais très bien, mais Nigel m'a demandé. Ouais, ouais. Mais moi je te le demande aussi. Je vais très peut-être bien. T'auras pas la même réponse. Alors, c'est drôle parce qu'hier on a abordé le sujet Saint-Valentin et tout ça, et je vous avais dit que j'étais en PLS parce que Saint-Valentin je l'avais pas spécialement bien préparé. Hein, mais attends, avant que tu continues ton histoire, ce matin Vince nous appelle, Nigel et moi. Mmh. Oh là là, super, vous êtes géniaux. Ah bon? Vive la vie, vive l'amour des héros. Qu'est-ce que t'as fait hier soir? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Mais rien. Mais t'as eu t'appelles à quelle heure? Non, mais je dois vous expliquer. Moi j'ai pas reçu. T'étais là. T'étais là. Non, on était en conférence cool. Téléphonique voilà, pour le taf. Et à un moment donné, ce que je ne fais jamais, je dois vous l'avouer, je ne le fais jamais. Sauf à mes enfants, je le fais plein de fois. Mais aux autres personnes, je le fais jamais, c'est un compliment. Et oui, et j'ai dit, ah les gars, je trouve franchement vous bossez bien. Voilà. Ça a été, voilà, 10 ans. Voilà. Il a fallu 10 ans pour avoir un compliment. Vous bossez bien. Voilà. Truc, voilà. Ouais, patron de merde, hein, si vous voulez, patron de merde, ils font pas de compliments. Non, donc, tu rigoles. Donc voilà. Tu vois comment. Merci Christopher, je vais très bien, c'est gentil. Nini Lebesque, Clémence qui a envoyé le message. Et coucou coup, à Zarox. Oui. Tu parlais de ta Saint-Valentin, ça va, ça a été où? Bah, c'est vrai ça. Elle a pas encore commencé ma Saint-Valentin. Parce que hier, t'avais l'absence, tu me disais, ouais, gars, attends, j'ai trop la pression là. Ouais, non, t'inquiète, j'ai géré. Ah, ouais, j'ai géré. C'est-à-dire que là, si elle regarde, elle sait pas de ses parents. T'as acheté quelque chose ou pas? Non, pas spécialement, non. Je trouve d'autres méthodes, je trouve d'autres moyens, mais non, vous n'en saurez rien, c'est la partie du truc de secret. L'intime. Avec ma chère étante. J'ai pas envie de dire, ouais, j'ai fait ça. Non, ça c'est pour elle et moi. Le reste, vous pouvez tout savoir, mais ça, c'est. Ouais, et c'est on pour en elle. Sait bien plus que ce qu'on voudrait d'ailleurs. Exactement. Et il y a Christina qui nous a écrit bonsoir, guys, depuis USA. Franchement, arrête de mentir. Dis-nous aux USA, comme ça nous on se fait un petit Google Maps pour vérifier. Bon les amis, dans le standard, j'ai le plaisir d'accueillir Émile qui est là. Salut Émile. Salut, Émile est dans la maison. Émile Launizi. Ça va Émile? Ça va tranquille toi frérot? Ça va frangin, on est là, on est bien. Tu viens d'où dis-moi? Maroc. Du Maroc? Et le Maroc est dans la maison? Où ça au Maroc? Je sais pas si tu vas connaître précisément Meknès. Mais évidemment, Meknès. Ouais, c'est là où les mecs naissent. C'est nul. Oh putain. C'est très nul. Non, big up Maroc 212. Meknès, c'est dans le centre, non? Ouais. Non. Alors, Meknès, je crois que c'est dans le centre. Je veux pas vous cacher que c'est je suis. C'est près d'Agadir, c'est près de Casa. Il y a un aéroport militaire. C'est près de Nador, c'est près de Tanger. Voilà, alors, je vais en arrière. C'est près de Fès. Voilà. Meknès, près des fesses. Exactement, c'est dans le nord, c'est pas loin de Gibraltar, pas loin de Rabat. C'est dans le nord du Maroc. Ah non, c'est pas du tout dans le sens. Effectivement. Voilà. Oh purée, et je crois qu'un de mes plus gros kiffs de ma life, c'était au Maroc, frangin. C'était dans les montagnes de l'Oural. De l'Oural, enfin, l'Atlas. De l'Atlas, pardon, mais j'ai été à l'Oural, excusez-moi. À l'Oural, voilà. et tu vois, t'as des écoulements d'eau et tout. Et je me rappelle, ma fille était fatiguée. Et donc, je l'ai mise sur mes épaules et j'ai grimpé tout ce bordel. Et c'est bordélique parce qu'il n'y a plus de chemin à un moment donné. J'ai grimpé ça avec ma fille sur les épaules. Je suis arrivé, je me suis trempé. Je te jure, c'était l'endroit le plus froid que j'ai connu au Maroc. De l'eau à 100, genre 6 degrés qui me tombait dessus. C'était incroyable. Qu'est-ce que t'entends par l'Oural? Parce que l'Oural, c'est en. Non, je me trompe. C'était l'Orica. L'Ourika, travailler dans l'Ourika. Est-ce que c'est l'Ourika ou pas? C'est l'Ourika ou pas le nom? Honnêtement, franchement, je suis arrivé l'année dernière, je connais
Attends, dites-nous les habitants. Tu roules loin de Marrakech et c'est l'Ourika, je crois. Ourika et tout. C'est très difficile de travailler dans l'Ourika. Attends, je vais vérifier. Je dois vérifier cette info, moi. Ourika. Ourika, Maroc, voilà. Voilà, parce que l'Ourika, c'est en Russie. Regardez comment c'est beau. Regardez-moi ça. Mais on voit pas. Hey, vous savez quoi, j'ai connecté là. C'est Club Med, ça. Je vais partager ça aux gens, je te jure, c'est pas Club Med. J'ai mangé un tagine les pieds dans l'eau. C'était le. Sérieux, une best expérience de. Un trap touriste de base. Manger un tagine les pieds dans l'eau. Qui fait ça? Personne. Les touristes. Attrape touriste, c'est quand tu te fais arnaquer. Mais là, tu t'es grave fait arnaquer, manger un tagine les pieds dans l'eau. Je viens du bled. Tu l'as payé combien le tagine? Jamais je me fais arnaquer. 40 euros. Un gars du bled ne se fait jamais. Alors, des fois, voilà, content. C'est bon, ça fonctionne. Super. Alors, regardez, je vais aller sur mon petit Chrome. Là, ça, c'est vos messages. Ils sont très très sympathiques, les amis. Et là, je vais taper Ourika. Voilà. Pourquoi il y a YouPorn? Ourika, j'ai eu la bonne idée. Voilà, c'est une rivière du Maroc. Regardez-moi ça. Je vais vous montrer les images juste pour vous montrer à quel point c'est trop beau. Oui, c'est près de Marrakech ce truc. Ouais, exactement. Toi. C'est beau, ouais, c'est beau. Regardez-moi ça. Non, et... là, il y a des. Non. Quoi, non? C'est beau ça? Bah ouais. Mais c'est trop beau. C'était le lieu, franchement, le plus kiffant. Regardez. Ça, c'est beau. Et en fait, t'as des endroits, en fait, ils mettent les tables dans l'eau. Mais c'est trop canon. Ouais. T'aimes pas? Ouais, ça, c'est beau. Bah, la couleur des tables. Non, mais de toute façon, on connaît Lara. Lara, elle veut son luxe et tout. Bah ouais. Et je buvais l'eau, je te jure, je buvais l'eau comme ça. C'était trop cool. De l'eau ici. Regarde, il y a les oliviers et tout, un peu ça, plus bas. Ça, c'est beau. Les cultures en terrasse, comme ça, on aime bien. Voilà, regarde. Et en fait, t'as ça long. Mais comment ça, c'est horrible? Je sais pas, c'est des trucs. Mais Lara, elle aime pas quand c'est vie convivial. Quand il y a plein de tables. Et plein de gens, normalement tu sais que c'est pas du fake, c'est vraiment c'est des vraies couleurs, ah, ça. Non, mais il n'y a pas eu Photoshop. Hein. Enfin, bref, voilà, frangin, je kiffe ton pays et je reviendrai. Moi aussi, avec plaisir. Le Maroc. Hein. Voilà, j'ai encore allé à Casablanca, mon père est né à Casa, j'ai toujours pas été. Voilà, mais mon père est pas marocain. C'est compliqué, mon père est pas marocain, mais il est né à Casa, t'as vu tous les bails. Tu peux ne pas être marocain, il est né à Casa. Moi, je me suis dit, mais papa, si t'es né à Casablanca, t'es forcément marocain. Il me disait, bah non. Bon, c'est compliqué les histoires de métissage parfois. Bon, les amis. Moi, je suis né en Belgique, je pars belge. Clé du jour, c'est parti. Hello, motherfucker, what's my name? What's my name? Il est chaud, il est chaud. Les amis, le principe de la clète du jour avec Emile, il est le suivant. On vous balance des vidéos et si elles vous font rigoler, vous votez pour la personne qui vous a fait le plus rire avec sa vidéo. T'es prêt pour voter? Je suis sûr que t'es prêt. Ouais, voici ma vidéo. Let's go. Ouais. Ce n'est pas forcément ce que vous croyez. Allez, comme Rano Prime. Allez. Allez, snel mort. Regardez. Regardez ça. Oh, le P4. Très très fort. Très très fort. Très fort. Merde. Nos clés à côté vont paraître mièvres. C'est énorme. Ça c'est le genre de truc qui arrive à Nigel. Je l'ai envoyé à Alexis hier soir. Alexis, je l'ai envoyé en mode je veux ma clé demain. Ah ouais, je veux dire, après ça j'ai bien dormi. Oh là 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 là. Ah ouais, non, franchement c'est. Je sens les plus de 20 pages. Ah, t'as gagné là. Pas forcément. J'espère les plus de 20 pages. J'espère. Non, mais ça, t'attends, tu te rends compte de la clé que c'est? On regarde même pas ma clé. Moi, ma clé, ce serait genre. T'inquiète, défends-toi. Vas-y. Ah ouais, excellent. Elle est passée avant les autres qui pensaient gagner. Oh là, le seum. Jamais vendre la peau du loup avant de l'avoir déchiquetée. Voilà, et ben, franchement, pas mal. La tienne, elle est drôle. Elle est bien aussi, ouais. Ah, la tienne était drôle, hein. Franchement. La tienne, elle est drôle, hein. Ah. En vrai. Il y a peut-être une chance de gagner un vrai de vrai. Attention, Nini, ça va être à toi. Moi, après, je sais même, faites attention à la glace et ça fait mal. Le hockey. Genre la caisse qui va être pété par le truc. Non, je sais pas. Lui, il va tomber dedans. Oh, j'arrive où il s'est ramassé en plus le truc en pleine gueule qui tenait là. Oh ouais, il a tout ramassé. Eh ben, c'était joli, bravo Nini. Merci, n'oubliez pas, votez Nini le peuple, merci. Alexis. Oui, juste bon courage. Hein. Voilà. Je pensais que c'était Silent Hill. Oh, oh putain. Oh la vache. Alexis va se défendre ce soir. C'est horrible, tu peux mourir de ce bail. Hein. Ah bah oui. Bah clairement. Ouais. Ça dépend si t'arrives à le ressortir, ça a des longs doigts. Non mais tu sais que des gens qui sont morts même avec un chewing-gum comme ça. Hein. Le chewing-gum, s'il se trompe de trou et tout, c'est fini. Mon souvenir, dans la rigueur, à bon coup, il peut ressortir. Ouais, mais le chewing-gum, il s'accroche, tu vois. Et alors du coup, comme tu essaies d'inspirer, bah, au moment où tu veux prendre de l'air, et bah, ça fait une bulle dans ton pharynx et dans ta trachée. Et alors du coup, ça fait une bulle et puis tu
essaye de cracher, ça fait une bulle dans l'autre sens. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un bic. C'est pour ça qu'on avec vit. C'est pour ça que de base on dit en fait il ne faut pas avaler de chewing-gum parce que tu risques pas de mourir d'un chewing-gum à travers ton tube digestif. En fait c'est parce que si tu veux l'avaler et que tu l'avales mal et qu'il passe genre dans l'autre côté, là tu peux vraiment mourir. T'as vu qu'il m'a regardé quand j'ai dit il faut avoir un bic sur soi, il sait pas pourquoi. Tu vois dans les bics il y a toujours un trou. Ouais, je sais. Il y a un trou. C'est pour pouvoir faire un tu le ouais. plantes dans la gorge de ton ami. Si jamais il sait plus respirer que c'est fini, il faut planter un truc voilà. ici. Mais un truc et, avec et un après trou il peut, dedans, il peut respirer, chaud. Il peut respirer la bouche fermée. C'est dégueulasse à voir, mais ça peut sauver une vie. Il y a des gens qui ont déjà fait ça avec des bics. Ouais, c'est pour ça qu'il y a un trou dedans. Ah, voilà, c'est tout. Super. C'est très bon à savoir. Merci. Bon les amis, on va passer tout de suite à la clète de Émile. Let's go. Donc c'est une souris. C'est marocain tout ça. Il y a des effets spéciaux hein. La petite bombe qui a explosé. Voilà, on a compris le truc. Mais le oui. chat il était trop con. Ouais, il est con. Remettez-la, elle est rapide. Remettez-la, allez, allez. Pour le kiff. Il a cru qu'il avait des pouvoirs. Il s'est dit je vais... Les amis, ça va être à vous de voter. Attention, vous avez 30 secondes. Vous envoyez V-I-N-Z, V-I-N-Z. Vous envoyez Lara pour Lara. Vous envoyez Nini pour... Nini pour le peuple, bien sûr, bien toujours. Pour Nigel, vous envoyez toujours. Nini, N-I-N-I. Alexis pour sa clète. Et bien okay. sûr, pour notre ami qui vient de passer avec nous, par téléphone. Émile. Émile du Maroc, là, en Mais pourquoi direct. T'as un Meknes? Parce qu'il a dit, ça fait un an qu'il était là-bas. Comment ça se fait? Mais du coup, ouais, je écoute. Me permets d'abord de dire... Envoyez Émile. Je lance le chrono, 30 secondes, et maintenant tu peux expliquer. Alors, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là, gueule? Franchement, je sais pas. À la base, j'habitais en Bretagne, tu vois. C'est tellement différent. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait que t'es. Après, mes parents, ils ont décidé de déménager, du coup, ils m'ont emmené ici. Avec tes parents, tranquille. Putain, c'est cool. Ouais, voilà. C'est ouais, bien, voilà. T'as le beau temps, voilà, carré. Ouais, ça change. Les jolies filles, tout ça, tout ça. Ouais. Hein. C'est même pas pour le business, tiens. Genre, venez, on va vivre au Maroc. Bah, franchement, c'est chill, voilà. Ouais. C'est bien. Ouais. Bah, ouais, c'est cosy. Ouais. On prend des cerveaux, tu vois, et on les ramène et on fait développer le pays en local. Moi, je trouve ça bien. Tu sais, moi, j'ai tous mes potes là, tous mes cousins sénégalais, ils ont fait des études aux États-Unis. Moi, je dis, vous allez retourner au Sénégal, mettre à profit ce que vous avez appris. Ah non, on reste là. Non, les gars, c'est pas le deal, vous. Si, chacun son délire. Bah non, attends. C'est facile. Donc, dès que t'as un cerveau dans ton pays, t'es super intelligent. Comme ton pays, c'est la S, en fait, tu te casses et tu laisses ton pays dans la S, puisqu'on a besoin d'un cerveau comme le tien, tu vois. Pourquoi t'es pas dans ton pays? Parce que je suis pas né là-bas. Ouais, donc, mais t'arrêtes pas de dire Etchiboudienne. Mais les amis, le jour où tout ceci, j'étais à deux doigts de tout plaquer. Hein. Quoi? J'ai un pote, il m'a proposé de gérer un hôtel là-bas. Voilà, donc je vous dis pas. Ah, oui, il m'a proposé de gérer une boîte de nuit, un hôtel. Voilà, Diarama, pour ceux qui connaissent du Sénégal. Ils connaissent, vous connaissez, vous savez à quel point c'est du lourd. Il m'a dit, ouais, viens, directeur artistique, je veux que tu gères tout ça. Et ces gros trucs. Et à un moment, un jour, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je me barre au Sénégal. Mais ce sera pour plus tard. D'abord, on a encore des choses à faire, on a encore des bails à faire. Donc, c'est voilà. Mais je suis sûr, je suis persuadé que je finirai là-bas. Je suis persuadé. C'est vrai ça? Ouais, là-bas ou au Japon, je sais pas. Mais... Non, toi, tu vas finir au States, gars. Non, jamais. Vince, jamais. Non, c'est pas du tout son état d'esprit. Non. Toi, finir moi, c'est possible. Non, le capitalisme à outrance, là. Non. Non. Pas pour moi, ça. Quelle jolie poésie. Les amis, à outrance. Les amis, attention, nous avons les résultats tout de suite. Je vais commencer avec Alexis, qui s'est quand même, ma foi, bien défendu ce soir. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je parle bizarrement, là. Oh, purée, Alexis, t'as triché encore aujourd'hui ou pas? Ah non, même pas. Pourquoi? Il avait déjà triché. Non, il a triché hier. Eh ben, Alexis, ben, franchement. Deux pages. Alexis, 10 pages. Oh, ça va. Oh, il a triché. Ils sont trichés. Joli. Attends, il a triché. Hier, 11 il a envoyé, pages. Il l'a envoyé sur YouTube. Ouais, votez Alexis. Oh, le salaud. Attention, on va passer à Lara. Lara. Ouais, combien? Fume-le. 3 pages, Lara. Et c'est Léanie qui a vachement voté pour toi. Attention, on va passer à Émile. Émile qui a envoyé du lourd quand même. Émile, ah bah merde, une page pour Émile. Désolé, moi. Franchement, Émile, à un moment donné, faites des vannes drôles. Nini, 2 pages pour Nini. Bon, allez, Vince, avec 47 pages pour Vince. Pas forcément, tu sais. Si elle était trop bien la j'ai tête. J'ai fait que 2 pages. Tu mérites de gagner. C'est vrai, tu penses. Franchement, le ski dans le car. Franchement. Je retourne voir Alexis pour faire une petite comparaison. Alexis, tu es à 12 pages. Ouais. Et moi, je suis à 7 pages, t'as gagné, mon gars. Oh putain! Oh, c'est le plus beau jour de ma vie! C'était quoi ça, clac? Oh putain, merci! La personne qui aspire le truc. Bah bravo! Oh oui! Et bah bravo, rien comme il est content!
Ah, ça faisait longtemps, j'avais plus connu cette émotion. Ah, ça fait ah du ouais, bien. C'est vrai ça. Oh, merci. Allez, tiens, je te couvre d'or, vas-y, prends. Oh oui, donnez. Pas de l'or, c'est du papier. Bah, de base, ça valait pour un gramme d'or. Un truc de base. Non. Ouais, c'est fini. On en a imprimé trop, en fait. Il ouais. n'y a plus suffisamment d'or. Merci, Emile. À bientôt et amuse-toi bien du côté de Meknès. Je peux faire une dédicace. Bien sûr, Frangin, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, allez. Dédicace à Thibaut, frérot, à Paulat et à mon lycée Paulva, à Meknès. Grave le sang. Eh ben, allez. Ça fait plaisir. À bientôt, le mon gars. Dédicace à vous. C'est gentil. À quand plus. Tu veux dans l'émission, quand tu veux, hein. Pas de problème. Allez, au revoir. Ciao. Les amis, on va avoir quelqu'un avec nous en direct. Avant de se lancer dans le sujet, je vous rappelle le sujet du jour. Fanny, qui est une jeune résidente en Belgique, qui est d'origine camerounaise, qui fait du sport de haut niveau, d'ailleurs, faut le préciser. Jeune athlète, hein. Très jeune athlète, mais et qui fait de la compétition. Est sortie avec un gars et ça s'est mal passé à la fin. Enfin, à la fin, ça, on ne sait pas. On va un peu savoir davantage avec elle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle s'est fait harceler pendant des mois. Elle a été portée plainte à la police, rien n'a changé, ça n'a pas aidé, jusqu'à ce qu'à un moment donné il y ait le harcèlement de trop. Il était dans le même train qu'elle, par surprise ou alors le mec l'a stalké, j'en sais rien, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le mec à un moment donné dans tout ce bordel là, l'a poignardé. Ses jours sont pas en danger, on va l'avoir avec nous à l'antenne dans quelques instants pour parler de ce sujet qui est grave. Et il y a de plus en plus d'histoires sur Twitter, ça me choque un peu, de femmes qui sont agressées, qui sont les féminicides sont en explosion, donc on en parlera ensemble dans quelques instants. Et assez avoir vos avis en commentaire, même si on sait tous que ce genre de choses, quoi qu'il arrive, doit être à condamner. En attendant, les amis, j'ai le plaisir d'avoir Jaen qui est avec nous en connexion. Est-ce que nous avons... Oh, regardez-moi comme il est beau gosse. Regarde, ça va, Jaen est dans la maison. Ça va, Jaen, tranquille ou quoi? Ça va, mon gars. Ça va, hein. Ça se passe. Ça va. Voilà, Jaen, alors pour... Je vais pas le présenter, mais pour ceux qui le connaissent pas, rappeur bruxellois depuis tellement d'années maintenant, je pense... Ça fait quoi? Ça fait 12-15 ans, là? J'ai arrêté de compter. Ça fait 40 ans, là. J'étais rappeur avant d'avoir des enfants, avec mes plus grands enfants en 10 ans, donc... Ah bah voilà. Ah ouais. Eh bah, ben c'est joli. Ah. Exactement. Non mais en plus c'est des anciennes Belgiques, c'est tellement d'événements, quoi. D'ailleurs, je crois que ça fait partie aussi de ma jeunesse. Grâce à toi aussi un petit peu, Vincent. Arrête, quand même, hein. Arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Toujours le soutien, toujours. Le soutien a toujours été là, ça c'est sûr et certain, et ça c'est ce qu'on essaie de faire. Mais c'est grâce à toi, Frangin. C'est toi qui as le talent. Moi, je suis pas capable d'aligner des trucs. C'est bon, arrêtez de vous sucer là. Oui. Voilà. Bon, en attendant, s'il est avec nous, Jaen, c'est pour nous parler d'un événement qui va avoir lieu ce samedi, les amis. Alors l'événement, c'est quoi? Ça s'appelle My Controller. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Alors comme t'as dit, l'événement il s'appelle My Controller. Il aura lieu demain, donc samedi, au Botanique. Alors c'est un événement qui est ouvert pour les artistes émergents. Si tu veux, c'est une scène ouverte au fait où c'est un concours entre plusieurs artistes qui viennent. Il y a open mic où toi et moi d'ailleurs nous serons jurés. Donc les artistes viennent, ils lâchent leur plus beau 16 et après il y a les trois meilleurs que toi et moi on aura retenu qui vont en finale et le finaliste gagne après le droit de pouvoir performer sur scène à la prochaine édition. Et entre ça, il y a des showcases d'artistes. Et là, pour cette édition-ci, on a vraiment pris du lourd. On a pris des artistes émergents qui sont déjà en fait bien des en place. Une claque au niveau des artistes, c'est une claque. Ah oui. Ouais. Alors, il y a Sabri, dont je me permets d'en parler, de la BW à un moment donné. Ouais. Et après, les autres, il y en a un qui a sorti d'ailleurs un nouveau son, genre là, il y a hier, il me semble, un truc dans le genre. Geeko, n'est-ce pas? Ah ouais. Ouais, lui aussi, très chaud. Le mec, si je peux me permettre, il est smart. Il sous-titre ses singles en anglais. Donc il rappe en français, mais il sous-titre en anglais. Et il y a ces images, franchement. Déjà, c'est vrai qu'il y a les nouveaux artistes qui vont performer. Mais ces artistes émergents qui sont vraiment dans cette phase de percer dans le game et tout, franchement, faut y aller déjà aussi pour eux parce que c'est du lourd, quoi. Et il y a qui d'autre encore? Ouais, puis c'est typiquement le genre d'artiste où aujourd'hui c'est ça. Et puis dans une semaine, il fait les 4 millions, les 20 millions, et puis voilà, quoi. Ouais, donc, ça va très vite. Ce sera plus aussi facile de les avoir sur scène, clairement. Et donc, il y a Gecko, il y a Frenetic, qui est aussi un artiste émergent, mais qui est en train de cartonner. Ah non, alors Frenetic, attends, parce que j'ai des mots à donner sur tout le monde. OGR, les mecs, franchement, j'ai partagé des trucs en story, c'est qualitatif. Frenetic, pour moi, attention, tu vois, il y a Damso, il y a Frenetic. Je vous le dis, les gars... Ah, tu le vends bien. Non, mais il y a... T'as vu, j'ai directement... Ça donne envie. Jaen, t'es d'accord avec moi ou pas? Ouais, je suis d'accord de ouf. En plus, je sais pas si je suis vraiment objectif parce qu'il vient du même quartier que moi. Donc, c'est quelqu'un que j'ai vu un petit peu grandir. Et le jour où je l'ai entendu, je fais « Ah, ok ».
Ah non, mais t'inquiète, t'inquiète, j'ai aussi entendu et j'ai dit ah, ok, bah, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Donc voilà, ouais, les amis, ouais, ça va se passer donc ce samedi. Il y a AYB aussi qui sera sur scène. Voilà, aussi, à rajouter bien sûr. Ouais. Et en fait, ça fait une liste. Ouais. Je précise, j'ai eu l'occasion de voir les artistes et sérieusement, il y a des gars des quartiers de Bruxelles et tout ça. Ouais. Je vais pas donner de nom, je peux pas, je dois rester objectif. Mais là-dedans aussi, j'ai vu des trucs qui vont exploser. Je t'ai fait découvrir un truc, Nigel. Ouais, je t'ai fait découvrir un gars. On dit pas c'est qui, mais je t'ai montré un vidéo. Je sais pas comment il s'appelle, mais c'était lourd. Voilà. Ok, super. C'était lourd de ouf. Non, vraiment. Alors, c'est drôle parce que ça va peut-être vous frustrer de l'autre côté. Vous dites, mais putain, vous parlez de qui, etc. Restez connectés. Lundi, ouais, je vous ferai un débriefing. Et d'ailleurs, je vais passer des phases de single de ces gens-là qui vont venir ce samedi au Mike Control. En tout cas, ça va se passer de quel côté encore? Ça va se passer au Botanique, donc samedi. Les portes s'ouvrent à partir de 19h. C'est à Bruxelles, hein? À Bruxelles. C'est à Bruxelles. Ouais. Ouais. Je dis pour les gens Botanique qui nous écoutent du Maroc, du Sénégal, du Burundi. Exactement. Merci mon pote, ouais, merci Jen. Merci à vous, merci à toute l'équipe. À plus, ciao, ciao. Ouais. Porte-toi bien mon gars. Bye bye. Tiens, je le couvre d'or aussi lui. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire les amis. Attention, on se met dans le sujet. Oui. Of course. Ah, là, il y aura de la discussion. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes accrochés. Je lis vite quelques commentaires. Tu peux faire écouter ce qu'il fait Vince, pas de souci. GN, déjà vous tapez GN sur YouTube, vous êtes tombé sur pas mal de trucs. Mais on fera une émission spéciale et honnêtement, vous regardez, on a une scène là. Elle est super belle. Là, c'est là que je vais terminer l'émission tout à l'heure. Cette scène là, on va amener pas mal d'artistes dessus. Grosses twerkeuses aussi. Mais on y travaille. Nigel sera le premier à danser. Nigel est le premier à avoir dansé là-dessus. Il va y avoir d'autres. Voilà. Et je précise qu'on y travaille. On est en train de préparer un chouette truc pour que vous ayez pas mal d'artistes qui viennent. On va essayer de faire ça le vendredi. Mais on veut que ce soit bien fait. Tu vois. On veut que ce soit qualitatif pour vous. Donc voilà. Parce que, et quoi qu'il arrive, si vous êtes rappeur, que vous regardez cette émission, tu me checks sur Insta. Et comme ça, on te met dans la file d'attente. Tu vois. Donc c'est prévu. Il n'y a pas de problème. Les amis, c'est parti. On se met en mode topic. Alors là, Lara, tu sais, d'habitude, quand on lance un topic, tu vois, ça se démarre comme ça, quel que soit le sujet. Dans cette émission, on rigole, et dans cette émission, on parle de choses très sérieuses aussi. Lara, toi, tu t'es sentie énormément touchée par l'histoire de Fanny. Évidemment, mais toutes les femmes, enfin, et tous les hommes aussi, c'est horrible d'imaginer que l'amour puisse se transformer en haine jusqu'à de la vengeance comme ça, et que, enfin, je te laisse raconter l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas. Vas-y Vince. Mais justement, elle est avec nous, elle s'appelle Fanny. Non, on l'a pas encore. D'accord, ok, ils sont en train de travailler pour la récupérer visiblement, puisque on fait ça en téléphone. Alors pour vous expliquer le topo, donc ça s'est passé il y a quelques jours. Une jeune demoiselle est agressée, poignardée, donc c'est pire, hein, poignardée. On peut parler de tentative de meurtre dans le train par son ex-compagnon. Alors son ex-compagnon, qu'est-ce qu'il faisait là dans le train, on va en discuter avec vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça faisait pas mal de temps déjà qu'elle se faisait harceler par cet ex-compagnon. Il y avait une vidéo qui était sur internet, d'ailleurs on peut vous la passer, une vidéo qui s'est passée il y a quelques semaines, mois. Ouais, c'est à trois semaines exactement. Il y a trois semaines où elle se faisait stalker par le gars qui est en train de la suivre en voiture. On vous passe les images, c'est des images, voilà, c'est pas qu'elles sont... Si, il y a une phase qui est choquante, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont déjà vécu ça dans leur vie, et aussi des hommes, mine de rien, pas de la même manière. Ouais. Mais en tout cas, c'est le genre de truc qui est horrible. On vous passe la vidéo, comme ça vous voyez de quoi il en retourne. Laisse-moi tranquille. Le voilà. Voilà mon ex qui me harcèle. Le voilà. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. C'est qui ton gars qui dit? Ouais, il dit c'est qui ton gars, ouais. Là, il était à deux doigts de lui rouler dessus. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Donc il lui bloque le passage. Il prend des risques en plus. Laisse-moi tranquille. Ouais, parce que t'as vu, il y a plein de circulation. Il a un contresens. Il a un contresens, hein, vous vous rendez compte? Laisse-moi tranquille, je vais appeler la police. Donc le gars est tellement dans sa dinguerie que lui-même se met en danger. On est dans des enquêtes, c'est très poignant. Ce sont des images qui ont été nécessaires. Heureusement qu'elle les a filmées parce que ça permet de montrer à la police à quel niveau ça va. Et parfois, lorsque tu es un petit peu seul avec ça, tu dois avoir des preuves. C'est pas évident ensuite d'aller à la police en disant ouais, il y a mon ex qui m'harcèle. Ouais, mais madame, il y a quoi? Là, t'as des preuves formelles. Alors justement, on a réussi à la contacter, à la joindre. Elle est avec nous. Coucou Fanny. Fanny. Ah, Fanny, est-ce que tu nous entends? Nous, on ne t'entend pas. Je ne sais pas si toi, tu nous entends. On est en train de voir au niveau de la régie si on peut régler ce souci. Je ne sais pas du tout si c'est le... Ah, on entend. Oui.
Fanny. Oui. Oui, super, ouais, Fanny. Voilà. On te reçoit 5 sur 5. Parfait. Bonsoir, Fanny. Bienvenue sur Tarmac. Bonsoir. D'abord, la question la plus importante, comment va la santé là? Sur le plan physique, ça va mieux, ça va de mieux en mieux. Je fais mes pansements, une infirmière vient me voir. Mais sur le plan voilà, moral, ça va pas, j'ai pas dormi de la nuit, voilà. Oui, il est évident, ce que tu as vécu, c'est un traumatisme, c'est quelque chose de très dur qu'on ne souhaite à personne. Alors, je te remercie déjà énormément d'accepter de passer dans cette émission pour témoigner de ce qui t'est arrivé, pour voir un petit peu tout le cheminement, essayer de comprendre l'histoire en sachant que ce qui s'est passé par rapport à toi est intolérable. Je veux dire, se faire poignarder de quelque manière que ce soit, je veux dire, ça ne doit pas exister. Première question, ou deuxième question plutôt, devrais-je dire, c'est d'abord, commençons à la genèse, cette relation que tu as eu avec ce gars, ça a duré combien de temps? Cette relation, elle a duré juste une année, hein. Une année, ah oui. Et demie, une année. Ouais. C'était pas une relation de plusieurs années ou voilà, une relation de 10 ans ou 15 ans, non, une année et demie. Oui, Lara. Oui. Et du coup, sur un an, ça a dégénéré quand en fait? Ça a dégénéré lorsque, en fait, moi, je suis une athlète et je m'entraînais, donc je devais aller au championnat d'Afrique au Maroc. Mm-hmm. Et les premiers mois quand on s'est connus, il était tout gentil, c'était le prince charmant, c'était vraiment l'homme dont je rêvais. Mm-hmm. Et quand j'étais sur le point d'aller au championnat d'Afrique, il a déchiré mon passeport en fait. Il voulait pas que tu partes en fait. Il était jaloux. Il voulait pas que je parte. Ouais. Donc après cet acte, je me suis dit que c'est pas normal. Si quelqu'un déchire ton passeport, là, il y a un problème. Parce que le passeport, c'est une pièce officielle, très très importante. Et quand il a déchiré mon passeport, il m'avait pas dit qu'il avait déchiré. Donc il a cherché mon passeport avec moi. Arrête, oh, c'est de la manipulation, ça. Oui, ça se va plus loin. Et en rigolant, en appelant ma sœur, même pour demander est-ce que t'as pas vu son passeport et tout. Et moi, j'ai retrouvé mon passeport dans la poubelle, dans notre appart, et je lui ai demandé mon passeport, c'est toi qui l'as déchiré. Et là, il m'a regardé, il n'a pas parlé. Et là, j'ai su qu'il fallait que je quitte cet homme. Mmh. Alors, il y avait des gestes comme ça qui n'étaient disproportionnés par rapport aux problèmes qu'on avait. Voilà. Alors, est-ce qu'il a justifié le fait qu'il déchire le passeport? Est-ce qu'il t'a donné une raison? Est-ce qu'il t'a dit, voilà, j'ai déchiré pour telle raison? Il ne m'avait pas vraiment donné de raison. C'était vraiment des raisons aléatoires. Tu fais tout pour toi, tu n'as jamais du temps pour nous, tu penses qu'à l'élitisme, tu es égoïste, voilà. C'est quelqu'un qui voulait te garder pour lui, quoi, c'est ça en fait, qui ne supportait pas que tu puisses avoir ta vie à toi et que ton métier prenne de la place dans ta vie. Donc on est clairement dans une situation d'un gars possessif. Ouais. Ah, il ne veut pas que sa femme s'épanouisse et vive sa vie. Je veux dire, tu es une athlète, c'est tellement de travail et quoi que ce soit, quel que soit ton métier, c'est inacceptable. Mais là, venir nuire carrément à une opportunité professionnelle, une opportunité sportive, déchirer ce passeport-là, c'est ruiner une carrière. Alors, c'est quoi il... Après, ça se passe dans des couples moins violents non plus. Hein. Là, ça va jusque quelque chose de très violent où il coupe ton passeport et tout, c'est horrible. Mais c'est des choses qui se passent aussi de manière... C'est une violence très douce qu'il peut y avoir dans des couples aussi où l'homme ou la femme n'accepte pas la liberté de l'autre. Ça s'était passé avec Nabila en fait, et Thomas d'ailleurs. Quand Nabila avait poignardé Thomas, c'était parce que Thomas était jaloux que Nabila, sur le plateau de TPMP, fasse des blagues un peu sexy, qu'elle soit bien en décolleté, tout ça. Et c'est comme ça qu'elle avait craqué, qu'elle avait poignardé. Oui. Mais du coup, je pense que ça peut arriver à n'importe qui. Oui. Mais il ne faut pas que ça arrive parce que c'est n'importe quoi, tu vois. Enfin, le fait de poignarder quelqu'un... Il faut qu'il y ait du recul, il faut qu'il y ait du sang-froid. Et quoi qu'il arrive, il faut imaginer aussi des situations où il y a le cadre privé, quelque chose qui dégénère dans un cadre privé et quelque chose qui dégénère en public. Là, ta situation, Fanny, c'est que tu t'es retrouvé dans le train. Alors, explique-nous comment ça se fait qu'il était dans le même train que toi. C'est dû à quoi, ça?
Donc voilà, après que je me sois séparée de lui, voilà, ça a été le début de l'harcèlement verbal aussi, physique, et puis avant d'aller vraiment vers cette histoire de train, c'est vrai que ça s'est pas passé tout de suite. C'est elle d'abord, l'a quitté, quoi. Tu l'as quitté, c'est vrai qu'on va reprendre un petit peu les choses dans l'ordre. Il y a eu l'harcèlement qui s'est passé comment? Par message, il essayait de venir à ta rencontre. C'est le déclenchement de tout, quoi. Il a commencé à m'harceler verbalement avec des numéros de téléphone inconnus. Il m'appelait au moins 100 fois par jour pour donner une capture. Des messages, il se faisait passer pour des personnes par WhatsApp. Une fois, il s'est fait passer par la police sur WhatsApp en me donnant une adresse, ça me demande de le rejoindre. Il s'est même fait passer pour un ami. Il a publié des photos de moi nue. Non, il a envoyé à tous les membres de la famille. C'est extrêmement grave. Il a ouvert un site de pornographie, enfin, il est allé sur un site, voilà, ouvrir un compte à mon nom. Il a ouvert une page Instagram, il m'a affiché. Il est clairement dans la volonté de nuire, quoi. Et puis ça allait crescendo, en fait. J'allais déposer les plaintes à la police avec tout ça, mais voilà, ça n'allait pas. Et lui, il continuait. Et justement, c'est ça qui est horrible, c'est ça qui est dingue, et sur lequel on voudrait quand même mettre un point d'honneur. Donc, tu as été voir la police rapidement par rapport à ce qui s'est passé à ce niveau-là. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Ils ont dit on va faire lancer une procédure. Je veux dire, t'as amené des preuves. Je veux dire, le fait qu'il usurpe ton identité et t'en mette maintenant sur des faux réseaux sociaux, enfin sur des réseaux pornographiques, qu'il utilise ton image, les photos de toi nue, c'est le pompon. Il est allé. Oui, je suis allé à la police. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait ce qu'il fallait, hein, parce que voilà, ils m'ont dit, écoutez, madame, ils m'ont auditionné normalement. Donc j'ai dit tout ce qui se passait, j'ai donné les preuves et eux ils ont fait leur travail. Ici je ne peux pas affirmer que la police n'a pas fait son travail. Elle a pris tout ce que j'avais à dire et voilà, et ils ont constitué le dossier. Ils m'ont demandé d'attendre et qu'ils allaient transférer ça à qui de droit et que voilà, le juge peut-être allait me contacter. Il n'a pas été convoqué. Tu n'es pas convoqué dans ces cas-là Est-ce qu'il avait fait preuve? Je n'ai jamais su s'il avait été convoqué. Normalement, il y a une lettre qui arrive chez lui et tu dois être auditionné parce qu'on doit entendre ta version des faits. Du coup, s'il y mais attention, pas... parce qu'il est venu, c'est différent. Et là, Fanny est normalement venue avec des preuves qu'elle se fait harceler. Qu'elle se fait harceler, mais plus que des preuves par message, je veux dire, c'est carrément usurpation d'identité et des photos nues. Est-ce que tu es venu avec déjà des éléments de violence? Des éléments de violence, non, c'était pas encore arrivé aux éléments de violence. Là, j'étais encore. Violence physique, hein. C'était déjà la violence, mais je parle de violence physique. Non, c'était pas encore la violence physique. D'accord. Là, c'était parce qu'il publiait des photos, il m'appelait, il m'insultait, il se faisait passer pour des gens, voilà. Et est-ce qu'il y a eu des menaces dans les messages? Est-ce qu'il t'a été menacé de manière claire? Oui, j'ai été menacé. Il m'avait dit je vais te tuer. Tu vas rentrer dans ton pays, découper un morceau. Bon, c'était vraiment c'est horrible. Alors, normalement, avec ça, alors je suis pas policier, mais j'ai appelé des amis policiers pour leur demander un peu leur avis. Et normalement, quand il y a des menaces claires, des menaces de mort, il y a un risque pour la vie de Fanny. Et donc, normalement, la police devrait envoyer une patrouille pour aller le voir et en même temps pour lui dire voilà, vous êtes convoqué parce qu'il y a un risque. Là, le problème, alors est-ce que c'est le système qui n'était pas cohérent avec ça parce que ça a pris 6 mois plus hein, ça s'est passé quand votre rupture? Il y a 6 mois, c'est ça? Ma première plainte date de 7 mois. Ah, 7 mois, donc voilà, encore plus. Voilà. En 7 mois, on arrive maintenant à une situation. Oui, dis-nous. Oui, là, on est en février, je pense que c'était en octobre ou septembre, je ne sais plus sa date, hein. C'était vraiment en été encore. Et donc, du coup, tu te retrouves un jour, et c'était il y a quelques jours, dans le train. Tu prenais le train et c'était entre Linköping et... Ah oui, oui. Avant ça, après ça, il est monté encore hein, en force. Hein. Là, il est venu physiquement m'agresser à mon lieu de travail. Je travaillais à la maison des sports de Nivelles. Il est entré dans la maison des sports de Nivelles, me retrouver à l'intérieur. Et voilà. Et puis, il m'a agressé au parc de la Dodène de Nivelles. Oui. Et voilà. Et même à l'école, moi, je fais des cours.
à l'IPFC de Nivelles, il m'a agressé aussi là. Et j'ai c'est pas normal. C'est pas normal parce que là, avec toutes des agressions qui sont passées du coup à un autre niveau, puisqu'il allait à ta rencontre et ça a été de l'agression physique. C'est pas normal que cet homme ait encore pu faire ces choses dans sa vie. Il a pas été appréhendé. Il aurait dû être appréhendé. Il y avait un risque clair pour la vie de Fanny. Et Fanny aurait pu perdre la vie dans ce train. Oui. Là, elle est en convalescence. Nigel, tu voulais dire... Ouais, en fait, on a eu le parquet de Bruxelles tout à l'heure au téléphone en faisant quelques recherches. Ils nous ont dit que parfois, en fait, les policiers, quand ils reçoivent ce genre de plainte, ils ne l'envoient pas en fait au parquet. C'est en fait, c'est si le policier se dit ouais c'est nécessaire, on l'envoie au parquet, ils vont l'envoyer. Donc un truc que je peux dire à plein de femmes qui sont victimes de violences et même aux hommes, c'est que vous pouvez aller directement voir le parquet. Ah. Vous pouvez aller au parquet. Il y a plein de gens qui ne le savent pas, mais vous pouvez aller au parquet et aller porter plainte directement là-bas. Et vous pouvez alors du coup demander un juriste violence. Et alors là-bas, vous expliquez votre histoire et vous passez directement d'accord, devant le parquet. Okay, comme ça, c'est très bien. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'aller vers la police et perdre tout, enfin tout votre temps. On va pas ouais, se mentir. Non, pas... ou tomber peut-être sur quelqu'un qui va pas comprendre. Tomber sur un policier qui va dire ouais, c'est encore une violence conjugale vite fait. On va laisser. Parce que normalement, un juge d'instruction devrait être nommé par rapport à ça. Et c'est vrai que le juge d'instruction n'a pas besoin de la police. Lui-même va faire son enquête. Lui-même va prendre les éléments. Là, visiblement, peut-être ça s'est transmis ou pas. Ça, on ne connaît pas les détails du dossier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en attendant, on arrive dans cette situation horrible où tu es dans ce fameux train il y a quelques jours de ça. Et comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il faisait dans ce train? Moi, je me rendais à mon lieu de travail, hein, comme tous les jours. Je ne vais pas dire ici où je travaille parce que je ne sais pas qui. Non, surtout pas. Alors, je suis entrée dans le train qui est en direction de Anvers. Et puis, quand je suis entrée, j'ai eu l'impression qu'il y a. La silhouette que je voyais entrer devant moi, c'était lui, mais il était de dos. Donc, voilà, comme j'étais pressée, je n'ai pas prêté attention, mais je suis quand même entrée dans la deuxième voiture. Donc, je suis entrée et puis je me suis assise. Et puis, le train a démarré. Et puis, le train allait. Mais j'avais l'impression qu'il y avait une tête qui se retournait toujours pour me guetter avec une casquette. C'est tellement malaisant et horrible. Alors, quand il s'est retourné une troisième fois, je l'ai reconnu. Alors, je me suis levée pour aller voir et confirmer que c'était bien lui. Alors là, je l'ai vu. Et là, il a fait semblant avec son chapeau de cachet, mais je l'ai vu. Alors, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais dans ce train? Tu ne prends jamais le train, tu n'es pas véhiculé, tu habites à Mons, qu'est-ce que tu fais ici? Alors, j'ai voulu me tourner pour prendre mon téléphone, appeler et faire une vidéo éventuellement. Et voilà, j'ai reçu le coup derrière violemment et le train s'arrêtait en fait à Rhodes-Saint-Genès. Et là, il s'est précipité, il est parti. Donc, dans les faits, il n'a pas échangé de parole avec toi? Il a échangé la parole. La seule chose qu'il m'a dit, c'est enlève la publication que tu as mise sur moi. La fameuse publication où il arrive en voiture et qui, voilà, exactement, qu'on vous a diffusé en début de vidéo. Oui. Et donc, il avait un couteau, donc c'était prémédité, puisqu'il était armé. Oui. Ouais, j'ai pas vu le couteau, mais si j'ai reçu un coup de couteau sur le dos, ça veut dire qu'il l'avait sur lui. Oui, bien sûr. Donc, c'était prémédité. Donc, il avait dans l'intention de te faire du mal. Il est monté dans ce train. Que ce soit un couteau, finalement, je ne sais pas ce que les professionnels, les médecins ont dit. Est-ce que c'était un tournevis ou n'importe quoi. Bref, un objet contondant. Il l'avait sur lui. Déjà, donc, il a une arme blanche. Il n'est pas supposé traîner avec ça. Et qu'il l'a fait derrière le dos sans prévenir, c'est qu'il avait l'intention ou alors de te faire du mal. Voilà, c'est pas avec un coup de couteau que tu tues, mais en ça tout dépend. Cas, c'est, ça, dépend, ça, ça peut, ça s'il est mal placé, dépend. S'il est pas mal placé, le problème, c'est que c'est vrai que tu peux mourir ou alors tu peux finir handicapé. Et ce qui est horrible, c'est que t'es une sportive et c'est une carrière qui peut être éclaté comme ça, c'est horrible. Franchement, on est tous sous le choc. Je vois les commentaires. N'hésitez pas à lui envoyer de la force et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire de tout cela. On nous dit tu dois avoir une protection car oui, dis-nous. Et moi, je me dis que c'est parce que je l'ai vu qu'en fait il a dû me poignarder comme ça et sortir parce que je pense que il voulait le faire. Vous voyez quand le train s'arrête et qu'il y a plein de monde qui sort, oui. Il voulait vraiment me donner un coup et partir. Oui. Donc c'est parce que comme un lâche quoi. Ouais. En fait ça, quand ça s'est passé, est-ce que tu t'es rendu compte de ça? Que qu'elle se faisait. Enfin, est-ce que tu as senti le coup ou alors sur le moment même tu sentais pas vraiment? À l'instant, je passe. Alors attention, est-ce que tu peux, excusez-moi, je me permets juste d'interrompre la discussion. Est-ce que tu peux demander à ton ami qui tient la caméra s'il peut la remettre bien droite parce qu'en fait tu es passé en verticale et de couper le son du live aussi. C'est compliqué ça. C'est parce qu'on l'entend.
Voilà, voilà, super, super. Et s'il peut te mettre bien au milieu de notre écran, comme ça on te voit super bien, voilà. Ça ferait vachement plaisir. Voilà, c'est super. Voilà, excellent, super, on est content comme ça. Donc on en était où, excusez-moi les amis? Non, elle disait qu'elle a pas senti, au début, tu n'as pas senti le coup? Non, à l'instant, j'ai pas senti le coup. C'est peut-être quelques secondes après que j'ai eu la douleur de ma vie. Donc je me suis écroulée. Et heureusement que voilà, les passagers dans le train sont venus en aide. J'ai vu le sang qui coulait partout. Il y a une dame qui a pris son écharpe pour me donner, pour essuyer le sang, mais ça coulait tellement. On a appelé le contrôleur. Le contrôleur est venu vers moi. Il a dû demander dans le train s'il y avait un médecin ou un secouriste ou quelqu'un qui était du domaine qui pouvait me venir en aide. Et heureusement qu'il y avait un médecin et et un secouriste qui sont venus et ils ont arrêté mon hémorragie. Alors, c'est dingue. Voilà. C'est dingue. On est heureux qu'ils étaient là. Vraiment, merci. Gros GG d'être intervenu et de t'avoir secouru. Parce qu'on ne sait jamais, tu te vidais de ton sang. On ne sait jamais ce qui se serait passé. Et là, oui, c'est vrai que tu as quand même mis le point sur quelque chose d'intéressant. Il était donc avec une arme. Il portait donc un chapeau. Bon, ça, on n'est pas des enquêteurs ici autour de cette table. Mais c'est quand même extrêmement flippant de se dire que le mec, peut-être qu'il attendait le moment opportun quand tu sortais et que vous soyez isolé pour peut-être t'assassiner. On ne sait pas, on n'est pas dans sa tête, ce sont des suppositions. Voilà, je précise que dans la loi belge, on peut pas dire qu'il est le coupable, on doit dire que c'est l'agresseur présumé, oui, tout simplement parce qu'une personne est présumée coupable jusqu'à qu'elle soit actée par, un juge. Parce que je vois beaucoup de messages de gens qui disent ouais, il est coupable. Je peux pas utiliser ce terme-là, c'est pas juridiquement correct. Oui, mais du coup, qu'il arrive, les soupçons, enfin je veux dire, il y a des caméras de sécurité, je pense que tous les éléments sont. Parce que ça veut dire qu'il a pas été attrapé? Non, eh ben justement, c'est ça le problème, c'est que nous sommes actuellement, je donne bien la date d'aujourd'hui parce que ça dépend quand vous voyez cette vidéo, le 14 février, jour de Saint-Valentin qui devrait se passer quand même complètement autrement, à 20h46, il n'est toujours pas appréhendé, il court toujours. Il a mis des trucs sur les réseaux sociaux. Ouais, en fait, il s'est barré, il est plus du tout en Belgique. C'est ce qu'il laisse peut-être sous-entendre pour endormir la police, mais là il avait mis un post sur Facebook, on va vous montrer maintenant, il y a une image qui dit en route vers mon nouveau job, et donc c'est en voyage vers Montpellier, donc il y a des trains à Gare du Midi qui vous permettent d'aller jusqu'à Montpellier. Non mais carrément, le mec poignarde une femme dans un train et puis il met en route vers mon nouveau job. C'est encore plus malsain donc, il a quand même mis une publication avant, un truc misogyne qui est de l'humour misogyne, qu'il avait mis quelques heures après les faits en fait, hein, si tu compares la publication et au moment où la pauvre Fanny s'est fait agresser. On est face à quelqu'un qui doit être arrêté le plus vite possible. Je crois qu'il a mis, je pense que ça ne peut pas courir trop longtemps. Et juste après, il a mis une autre photo en disant bien arrivé. Le soleil brille ici, ça change de la Belgique. Donc le mec provoque clairement après avoir commis un acte aussi horrible. Le mec continue à poster sur Facebook et à provoquer les gens. Voilà, provoquer la police, c'est dingue. Je sais pas comment tu commets un acte horrible et le vivre aussi bien, de manière aussi allégée, c'est bizarre. Si on doit par exemple se mettre à la place de cet homme qui a commis ça, on peut se dire que dans toutes les difficile, hein. Oui, c'est difficile, mais dans toutes les histoires d'amour, je pense que autour de cette table et puis les abonnés qui nous regardent, l'amour peut se transformer comme ça en violence très facilement. Quand on est sur des personnalités qui sont instables ou qui sont dans un mal-être, qui ont besoin de contrôler les autres. En fait, on connaît tous des violences à des niveaux. Après, on peut péter les plombs. Bien sûr, oui, oui. Hommes, femmes confondus. Mais ça, dans le cadre de cet homme-là, je crois que ça dépasse de loin tout ce qui peut être toléré de toute façon. Mais bien sûr. C'est lamentable. Mais le truc, c'est que ça arrive beaucoup. Ça arrive énormément. C'est pas une histoire isolée. Fanny, on en parle aujourd'hui, c'est bien, mais ça se passe beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça, Fanny, que ton témoignage, je veux vraiment te remercier énormément d'avoir ce courage de passer, de nous raconter ton histoire, parce que beaucoup de femmes sont victimes de ça, des féminicides, des personnes qui meurent parce qu'elles ont été battues, massacrées à coups de battes, à coups de coups de poing, roulées dessus. C'est des situations où peut-être des hommes n'ont jamais appris à devoir respecter, maîtriser peut-être une rupture. Et là, c'est vraiment bravo à toi d'avoir eu ce courage, cette force de venir nous en parler. Je précise pour ceux qui nous regardent, il y a des numéros. Si vous êtes en France, il y a le 3919, c'est SOS Femmes Violences, pour les violences conjugales. Donc le 3919 si vous êtes en France. Et pour la Belgique, c'est le 0800 30 030. Donc le 0800
0800 30 030. Notez ça, c'est très important, parce que si ça vous arrive de près ou de loin, si vous voyez un harcèlement qui va, où la personne est constamment en bas de chez vous, vous menace, allez tout de suite porter plainte. Et si vous pensez que la plainte n'a pas été plus loin, vous allez au parquet pour ouvrir quelque chose. Parce c'est que... pas facile hein, d'aller porter plainte. Fanny a été extrêmement courageuse d'aller directement, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui restent dans le silence, qui ont peur pas, oui, et qui sont totalement. Aussi dans une relation ambiguë. Que je savais que il savait que j'allais porter plainte, donc il venait tout le temps. Et je voudrais noter ici que voilà, les femmes ne doivent pas avoir peur. Vraiment, on ne choisit, on ne fait pas, comme je dis, on ne fait pas un concours pour être femme, hein, ni pour être un homme. On est une femme, et donc tout homme a besoin de respecter la femme, peu importe le niveau d'instruction que vous avez ou d'éducation. Vous devez respecter la femme. Alors, une femme choisit qui elle fait entrer dans sa vie et qui elle fait sortir de sa vie. Voilà, c'est ce que je voulais noter. Totalement. Oui, oui. Tu peux pas continuer une relation parce que l'autre il veut et que toi tu veux plus. On est bien d'accord. Vraiment. Bravo Fanny. Merci pour ce courage. Merci pour ce témoignage. On reste en contact de toute façon, toi et moi sur Facebook, pour que tu me donnes un petit peu des nouvelles de ton état de santé. Repose-toi bien. Je vois que t'es entouré. Enfin, j'ai vu un peu avant l'émission que t'es bien entouré, que t'es chez des amis et tout ça. Si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Et puis, voilà, nous on se tient au courant. J'espère qu'ils vont vraiment l'attraper ce gars-là, parce que voilà, un gars qui tourne comme ça, qui court les rues, c'est, voilà. Ça peut pas durer très longtemps. Et d'ailleurs, il y a même eu des gens qui m'ont dit, qui ont vu où est-ce qu'ils ont trouvé où est-ce qu'il habitait, en disant, est-ce qu'il devrait pas le virer, l'endroit où il habite, c'est un endroit, c'est où il travaille, c'est un endroit, c'est... on peut pas donner le nom, on va pas donner le nom parce que ça va les salir inutilement. C'est pas notre rôle de faire ça, mais en tout cas, il travaille dans quelque chose de très connu, vraiment très connu. Pas un club de foot ou un bail dans le genre, hein, mais un endroit où tu vas dans un magasin et tu te dis, ah tiens, je vais acheter ça, quoi. Là, de toute façon, s'il retourne sur son lieu de travail, je crois que c'est mort, de toute façon, à mon avis. Il sera appréhendé, mais donc après, la société dans laquelle il travaille, il cautionne pas ce qu'il a fait, certainement. Enfin, je dirais, voilà. On est bien d'accord. En tout cas, nous, on fera en sorte que cette affaire, on puisse la suivre et qu'elle puisse avancer. Bravo à toi. Bisous, Fanny. Bisous, Fanny. Merci. Repose-toi bien. Bon courage. Établis-toi. Au revoir. On est avec toi. Courage. Merci pour ton courage. Bye bye, ciao ciao. Bye bye. Ciao. Ciao ciao. Là les amis, c'est vraiment une histoire très très dure. Il y a plein de messages qui sont arrivés entre temps, donc je me permets quand même d'en lire. Putain, ce genre de gars, ils doivent se faire frapper, qu'on nous dit. Ils doivent être enfermés. Ils doivent se faire soigner. Ils doivent aller en prison et ils doivent se faire soigner, effectivement. Et avant que ça se passe, il faut parler, il faut comprendre cette violence et la maîtriser, enfin hommes et femmes, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont horribles avec leurs hommes. Il y a Murat qui dit, Murat Ergodogan, il y a eu quoi? Ben, je t'invite, si tu veux, dès que l'émission est terminée, à la regarder depuis le début, comme ça tu peux suivre toute l'histoire. C'est vraiment une sale histoire qui s'est passée. On parle de violence conjugale. Respecter chaque être humain qui a été envoyé. Je viens d'arriver, est-ce que quelqu'un peut me dire? Alors Roxy, c'est pareil pour toi. C'est quoi le parquet? Le parquet, c'est la préface avant le tribunal, en fait. Hein. C'est les personnes qui sont chargées d'enquête. Parfois, quand t'as commis un crime. Plainte. Quand t'as commis un crime, exactement, quand t'as commis un crime et que y a pas forcément de plainte contre toi, mais que ça en flague ou qu'on a des soupçons sur toi, c'est le parquet qui s'occupe de ça. Donc c'est pas forcé qu'il y ait quelqu'un qui porte plainte contre toi, c'est que le parquet pour aller. Qui est chargé de l'instruction. Oui, je crois. De l'instruction de l'affaire, effectivement. Il y a vraiment beaucoup de messages. J'essaie d'en récupérer quelques-uns, les amis. Il est toujours pas appréhendé. C'est juste inacceptable. Quoi non, j'habite Montpellier. Comment envoyer? Justement, demander l'aide juridictionnelle rapport à sa fuite. Parquet, c'est un truc de justice. Belge, je crois. Non, mais en France. Mais là, il va y avoir un mandat d'arrêt international sur sa tête. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'ils ont reconnu ça comme une tentative de meurtre ou pas? Tu vois, c'est ça le problème. Clairement, un coup de couteau. Mais c'est pas les termes qui ont été utilisés dans la presse. C'est ouais, pas. Mais sauf que la presse, c'est pas eux qui. C'est un coup de couteau. C'est un coup de couteau, mais effectivement, j'espère en tout cas que elle va être. Voilà, que cette affaire sera portée au même niveau qu'une autre personne, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que voilà, j'ai l'impression que la pauvre, elle doit faire beaucoup de bruit, beaucoup se faire entendre pour qu'on se dise « Ah mais putain, mais elle est une grosse victime là-dedans. » Mais ça se banalise en fait. C'est tellement partout, la violence entre les hommes et les femmes. On en parle avec les féminicides. Mais cette violence-là de harcèlement, etc., c'est un peu flou. C'est très compliqué en fait. C'est vrai qu'on a dit « Oui, la police n'a pas bougé. » Mais le nombre d'affaires qu'ils ont, alors tu tombes sur quelqu'un, c'est à un moment donné, bon, il faut dire les policiers font un travail extraordinaire sur ça aussi, mais voilà, il y a des failles parce qu'il y a beaucoup de cas. Là, on parle, c'est comme si c'était un parmi non, c'est tout le monde. Tu dis, ils travaillent dans un endroit hyper connu, mais combien, si tu prends le pourcentage d'hommes qui sont agressifs avec leurs femmes,
de pourcentage de femmes aussi, bon, c'est moindre, mais il y en a, tu vois. Il y a des femmes hystériques, il y a des quoi. Femmes qui prennent des couteaux, et il y a des femmes qui partent, pas toutes bien sûr, mais il y a des femmes qui partent du principe que comme elles sont plus faibles que les hommes, ont le droit de taper, de griffer. De la violence psychologique. Et de faire de la violence. Ouais, mais tu sais, je me rappelle, il y a une meuf qui m'a un jour dit, ouais, mais moi c'est normal, je peux frapper mon gars, il est plus fort que moi, donc moi j'ai le droit de faire. Mais non, pas du tout. C'est de la violence. C'est la reste de la violence, et qu'un homme soit plus fort ou moins fort, ça ne justifie pas de toute façon qu'une femme ait aussi le droit de le griffer, de le taper. Ça doit pas être ça. De cette façon, quoi qu'il arrive, t'as raison. Ça doit pas être ça. C'est du négatif, c'est néfaste. Et parfois. De base, c'est de l'amour, hein, les gars. Ouais, en vrai, ouais. De vrai, mais seulement parfois, la violence, on peut confondre dans les couples passionnels. Voilà, ouais. La limite, elle est très ambiguë. Et évidemment, quand tu dépasses et que c'est de la violence. Bon, on est dans un cadre avec ce mec-là où il doit véritablement se faire soigner. Mais il est évident que c'est pas cool. C'est pas cool quand il y a des bagarres dans les couples, ça c'est sûr. Je vais pas vous cacher, ça m'est arrivé. Ça est arrivé à plein de gens, certainement autour de cette table aussi. Mais à un moment donné, c'est le petit truc de la passion qui monte. Et ça, il faut tout de suite trouver des solutions pour essayer de le guérir, pour essayer de le soigner avant peut-être que ça ne démarre sur autre chose et que ce soit gravissime. On devrait essayer d'en parler parce que c'est quand même la chose qui nous relie tous, l'amour, le couple, c'est ce qu'on a en tout cas tous dans nos vies ou qu'on cherche. Donc on devrait être beaucoup plus éduqués sur la question, éduquer les femmes, éduquer les hommes sur comment réagir dans des cas de... Parfois c'est parce qu'il y a une rupture de communication. Ah mais ça c'est clair, il n'y en a pas eu à la base, en fait, on est parti sur des trucs... Parfois des personnes qui n'ont pas appris à communiquer, si t'as vécu avec des parents qui se sont tout le temps disputés, t'as jamais appris la communication réelle, et puis tu peux très rapidement te retrouver parfois dans un cadre où t'essayes d'expliquer quelque chose à quelqu'un, mais tu l'expliques pas spécialement avec des mots, tu l'expliques plus avec de la passion, des cris, parfois une femme ou un homme peut être dans un désordre tellement fort qu'il n'a pas les mots pour le communiquer, pour dire écoute, je me sens pas bien dans notre couple, tu dois le savoir, et transforme ça en criant ah, qu'est-ce qu'il y a. Et ça, c'est effectivement peut-être qu'il devrait y avoir des cours de communication entre couples, parce que parfois ce qui se passe, c'est quand un couple se prend la tête, ça monte jusqu'à avoir un truc que les enfants ont toujours. À un moment donné, un enfant n'écoute plus parce qu'il y a son lobe frontal qui s'est déconnecté, il n'est plus du tout conscient de son état. Et quand t'es dans une colère noire, en fait, tes hormones t'amènent tellement à être en colère que tu es déconnecté de ton état normal. Tu perds le côté rationnel. Oui. Et c'est à ce moment-là que ça devient extrêmement dangereux et qu'il faut absolument calmer ça, essayer de trouver des méthodes de communication en amont. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, il a dépassé, ce mec-là dont on a parlé, qui était le sujet de l'émission, il a dépassé absolument toutes les frontières, des bordures. Tu vois. Donc, il y a aussi un dénominateur commun dont on ne parle pas souvent dans les violences conjugales, c'est les substances illicites. L'alcool. Oui, l'alcool qui entre en jeu aussi et qui fait qu'on peut basculer dans la violence à cause de ça. Et on n'en parle pas souvent. C'est vrai. Du fait qu'il parfois il y a une substance au milieu qui fait aussi que ça part en sucette. Mais après, moi, tu sais pas gérer tes émotions. Un truc, c'est que là, moi, que j'ai pas compris, parce que quand tu comprends bien son histoire, elle avait arrêté de lui dire où elle travaillait, tout ça. Mais tu trouves, hein. Ouais, non, mais je peux permettre d'intervenir. Il y a une information qui vient de tomber. Il n'a pas été arrêté, mais il a été convoqué. La police l'a convoqué, mais il n'est pas venu. Blague. La police lui a envoyé en amont, lui a envoyé une convocation. Venez vous expliquer sur ce qui s'est passé. Et visiblement, il n'a pas été. Alors, est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il n'était pas là? Malheureusement, je ne sais pas à partir de quel moment est-ce qu'il peut y avoir une ordonnance de capture ou des trucs comme ça. À partir du moment où la personne. Il y a une violence. Là, à un moment donné. Mais normalement, c'est à partir du moment où il y a des menaces de mort claires et répétitives. À partir du moment où tu es menacé. Et tu te rends compte ce qu'il faut vivre. Déjà, je vais te tuer. Déjà, un seul, déjà, c'est déjà trop. Tu vois, tu dois en avoir 10 pour avoir. Enfin, tu vois. Mais juste le fait de le penser, de le dire à quelqu'un, je vais te tuer, déjà, ça, c'est. Non, mais voilà, c'est le désespoir, c'est le désarroi aussi d'un gars qui sait pas gérer une rupture. Tu vois ce que je veux dire. Un gars, tu gères ta rupture ou pas. Moi, pour moi, il y a pas. Alors, visiblement, je crois que c'est pas la première fois, puisqu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont tourné sur lui. Visiblement, il a déjà eu une histoire avant qui s'est terminée. Alors, il a des antécédents de ouf, mais on peut pas les dire. Voilà, après, je veux dire, il a une famille, on connaît pas les détails, on sait pas. Et souvent, c'est peut-être un problème affectif. Il y a certainement un problème affectif derrière. Peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il a pas eu de mère, il a pas eu de père. Ça ne pardonne rien. Ça n'excuse absolument rien. Mais voilà, peut-être qu'il est en train de regarder cette vidéo. Et mec, je pense que le bon sens, parce que quoi qu'il arrive, au fur et à mesure, parce que certainement, le mec, il a l'air d'être très narcissique. Si je peux me permettre, il est très narcissique. Il regarde sur les réseaux sociaux, il publie des trucs en mode coucou, je suis parti, tiens la police. Donc forcément, tout ce qui se passe avec le nom de Fanny, il le tape sur Google, il tape son blaze sur Google, et certainement, il se branle en disant. Oh, c'est trop cool, la vue, ça parle de moi, machin. Peut-être qu'il a besoin d'attention. Mec, continue à courir. Le problème, c'est que tu vas te faire choper. Et plus tu cours, eh ben plus ça sera grave pour toi ensuite quand tu vas devoir aller devant le tribunal, tu vois. Après, il faut assumer aussi les choses qu'on fait. On peut tous faire des erreurs, même très très graves.
Mais ce serait tout à son honneur que justement d'assumer ce qu'il a fait et de se dire voilà, j'ai besoin d'aide parce que je sais pas gérer ma life quoi. Enfin, tu vois, je sais pas. Effectivement. Ce qui bien sûr n'excuse en rien. Évidemment. Et ce qu'on dit souvent dans cette émission, on dit toujours on a le choix. Si vous êtes en couple et que vous avez tendance à vous disputer, même pendant les disputes, à chaque moment, à chaque seconde, à chaque instant, vous avez le choix de vous calmer. Vous avez toujours le choix. Exactement. N'oubliez pas. Et toujours le choix. Et bam, t'as la musique à démarrer. On voulait vous remercier. Les Oscars. Les amis, on se retrouve lundi à partir de 20h sur Tarmac. Dieu, la tête, quoi ? Comment lundi ? Oui. Que lundi ? Merci à ceux qui ont écouté en radio. Merci à ceux qui sont sur Twitch. À ceux qui sont sur YouTube. La vidéo est disponible juste dans quelques secondes. Là. Dès qu'elle est terminée, si vous voulez arriver, eh ben, vous pouvez la regarder depuis le début avec le plus grand des plaisirs. Merci Lara. Merci à toi. Merci Nini. Merci Alexis. Merci la régie. Allez, bisous tout le monde. Merci pour tous vos commentaires. Comme d'habitude, vous êtes au top. Et vraiment, gros courage à Fanny. Plein de bisous, plein de force à toi. Et quoi que vous fassiez, les amis, surtout. Faites-le bien. Bande de chiens. Allez, à lundi, tout le monde. Allez, c'est bonne Saint-Valentin. Ciao, ciao, bye bye. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Activer la petite cloche, c'est très important. Et puis, on a d'autres vidéos. Donc, vas-y. Tu choisis. Clique. Vas-y, clique, je te dis. Oh bah tu as cliqué ou pas là ? Voilà, merci. Au revoir.